Bonjour, moi c'est Nathalie Biretsky, puis je suis une des deux artistes qui a été sélectionnée pour le projet d'injection santé-culture. Ils m'ont demandé de travailler une illustration qui sera ensuite transformée en carte postale pour remercier tous les travailleurs de la santé de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu ma démarche, pour que vous voyez un peu qu'est-ce que je fais. Je travaille majoritairement la sculpture, soit avec des objets trouvés, des objets trouvés que je me réapproprie en fait. Donc je vais souvent trouver deux matériaux qui s'opposent vraiment, ou deux idées qui sont carrément en opposition, puis je les fais cohabiter ensemble. Puis dans cet espace-là, je crée souvent une ironie ou une zone vraiment sarcastique, étrange, où on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, je vais te présenter le panier d'épicerie. C'est la bestiaire Carus qui a été faite pour le CNE, qui a été exposée au CNE récemment, où les spectateurs ils pouvaient nourrir la bête à partir d'une distributrice. Ils pouvaient nourrir la bête de graines de tournesol, ils pouvaient la promener même dans la galerie. À mi-chemin de l'exposition, j'ai ajouté un deuxième chariot comme ça, mais plus petit, donc il faisait comme un bébé. Puis vers la fin de l'exposition, j'ai fait venir un barbier qui l'a remis tout propre pour. Donc il a vraiment donné une coupe, puis il s'est fait peigner son poil pour le rendre tout beau. Donc j'essaie d'élever un objet super banal à un statut d'un animal domestique, dans le fond. Par la suite aussi, récemment j'ai travaillé ma planche à repasser recouverte de grains de maïs. Je suis encore en train de la travailler et de terminer les petits détails. J'essaie de trouver une façon de faire éclater en fait le grain de maïs avec un fer à repasser. Donc encore là, on voit vraiment le caractère kitsch, le folklore, l'influence polonaise qu'il y a dedans. Mais encore deux matériaux qui s'opposent vraiment et que ça crée quelque chose de vraiment ludique et drôle. Puis, il y a aussi la canne de sirop d'érable. Donc, souvent, je m'appuie d'éléments de la consommation de masse, surtout, mais des éléments, des objets qui ont un caractère peut-être plus identitaire. Comme ici, la canne de sirop d'érable a été faite carrément en paillettes. Puis ça aussi, ça a été exposé récemment au CNE. Puis, ça amène à l'œuvre que j'ai créée pour le projet Injection Santé. Je me suis inspirée d'une œuvre d'Ambrosius Bosshart, qui est un peintre qui créait en majorité des vases de fleurs. Donc, je me suis réappropriée un peu l'organisation de ces œuvres pour ensuite y insérer mes propres éléments. Donc, j'ai fait une sélection de fleurs qui ont des propriétés médicinales, qui ont été insérées vraiment à travers l'image. À l'arrière ici, on a un paysage du fjord, puis vraiment pour donner une petite touche de joie là, tout ça, j'ai rajouté du confetti qui tombe par-dessus tout ça. Donc, merci à vous.